Le Paris FC tente d'installer sa marque dans la capitale, au sein du même espace que le SCB et la CA en Ligue 2. Dans cette édition, avec son président Pierre Ferrage, il sera question de l'écosystème du foot, de sa dimension sociale et politique. Foot e basta, uostro idrowinku, allo corso, buonasera a tutti. Un numéro spécial décentralisé ici à Paris, ou plus exactement à Orly, le lieu de vie du Paris FC. Parce que l'actionnaire principal du club est Pierre Ferrage, qu'il est corse, qu'il commence à très bien connaître les choses du foot, son environnement politique, social, économique en particulier, sa stratégie, ses idées, sa vision du foot de demain nous intéresse et renvoie nécessairement à nos clubs. Bonsoir Pierre Ferrage. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Une plaine désormais dédiée au football, 7 hectares et demi. Orly, ça vous renvoie à la Corse, c'est tout près? Oui, c'est un terrain de la ville de Paris qui est mis à notre disposition, mais c'est tout proche, on voit décoller les avions et ça fait penser à la Corse assez régulièrement. On s'intéresse tout de suite à la Ligue 2, votre espace, votre environnement, qui est celui évidemment aussi du SCB et de la CA. Voilà un an, Pierre Ferrage, vous avez annoncé la Ligue 1 dans les 3 saisons. Un plan qui se dessinait presque en ce début de saison, puisque vous aviez enregistré 4 victoires et 1 nul sur les 5 premières rencontres. Et puis après, ça s'est beaucoup tassé. 5 défaites, 1 nul et 1 victoire sur les 7 derniers. À quoi vous attribuez cet arrêt quasi net ? De grosses blessures qui nous ont, avec un handicap sérieux de ce côté-là, et puis un problème d'efficacité offensive. Très clairement, on est le club de Ligue 2 qui se procure le plus d'occasions, mais du coup, on est le club de Ligue 2 qui en loupe aussi le plus. Donc Thierry est parfaitement conscient de ce sujet, va essayer de le corriger. Ça se travaille, voilà. Et puis, il y a des baisses de régime, on en a eu une aussi l'an dernier, qui s'explique aussi par la fatigue, par l'inexpérience des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de National, on a recruté à l'échelon du dessous. Et puis c'est un championnat difficile, où les autres équipes démarrent parfois moins bien, mais prospèrent ensuite davantage que nous. J'espère qu'on sera dans le coup jusqu'au bout de la lutte pour les 5 premières places. 2 fois les barrages en 3 ans, ça positionne le club de façon crédible pour jouer la montée en Ligue 1. Mais après, c'est vrai qu'il faut travailler beaucoup pour y accéder. Le club d'Auxerre, pour ne citer que lui, est en Ligue 2 depuis 9 ans et n'a jamais réussi pour l'instant à remonter. C'est un championnat très compliqué. Cette trajectoire contrariée, on s'y penche avec l'un de vos hommes de base, Thierry Loret, que vous venez de citer, qu'on connaît bien en Corse, puisqu'il a entraîné le GFCA, notamment en Ligue 1. On l'écoute. Les matchs de Ligue 2, c'est des matchs qui sont très serrés. Très serrés. On voit que des équipes qui sont dans le bas du classement sont capables d'aller embêter des gros. T'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et nous, c'est vrai qu'en plus, on a un effectif qui a été un peu décimé. On a pas mal de blessés actuellement. Et donc, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de garçons qui arrivent de l'étage inférieur. Donc, il y a une adaptation à avoir, même si le début de saison pouvait être encourageant, c'est clair. Mais c'était un peu en trompe-l'œil. Voilà, on avait beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus de réussite aussi. Et là, sur les derniers matchs, par contre, on n'est pas suffisamment efficace, que ce soit offensivement ou défensivement, parce qu'on a quelques matchs quand même où il y a aussi défensivement où on a un peu pêché. Voilà. Donc il n'y a rien d'alarmant, mais il faut qu'on soit lucide par rapport au niveau réel de l'équipe. Voilà. On manque un peu d'expérience et forcément ça a son importance dans un championnat comme celui de la Ligue 2. La Ligue 2, championnat compliqué, vous nous disiez ça en préambule. Vous êtes un budget important de ce championnat, le 4e, je crois, avec 17 millions d'euros derrière Toulouse et Auxerre notamment. Pas sûr d'ailleurs que vous soyez 4e en termes de masse salariale parce que vous investissez beaucoup structurellement. La section féminine représente 10% du budget chez nous. C'est beaucoup plus important. Qui est en division 1. Je crois que c'est la proportion du budget la plus élevée pour la Ligue 1 et la Ligue 2 d'investissement dans le football féminin. Il n'empêche, Pierre Ferrage, pour un chef d'entreprise, cet aléa sportif, il est toujours difficile à appréhender. Dans les affaires, quand on travaille correctement, quand on investit, on a des retours sur investissement. Au foot, ce n'est pas toujours aussi simple.
C'est la glorieuse incertitude du foot et du sport en général. Ça rend les investissements moins rationnels sur le plan économique que dans d'autres secteurs de l'économie. Il faut faire avec. Il faut faire avec et il faut traiter les aléas sportifs qui arrivent de façon intelligente. Et de temps en temps, ça retarde les échéances. Et ce n'est pas toujours au moment où on s'attend le plus à monter d'un échelon, par exemple, qu'on le fait. C'est parfois là où on se sent peut-être un peu plus faible que les planètes s'alignent et qu'on réussit une montée. La base, c'est la structuration. Oui, c'est la structuration et le Paris FC a la chance d'être dans le bassin francilien. Arsène Wenger m'avait dit, si tu veux investir dans un club de foot, mets la formation en coupe réglée. Le bassin francilien est le meilleur du monde avec celui de Sao Paulo au Brésil. Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il y a près de 50% des joueurs professionnels qui viennent du bassin francilien, alors qu'il n'y a que 12 ou 13% des licenciés de la fédération. Donc on joue à fond la carte de la formation et de la formation des jeunes franciliens et franciliennes. Et vous avez déjà des retours sur investissement, notamment relativement à cette formation, où il faut du temps ? Il faut du temps, mais on est dans la quatrième année de labellisation du centre de formation. Depuis 2018, il est en place. Enfin, il est labellisé pro. Et on a des jeunes dans toutes les équipes de France de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Chez les féminines également. Dans l'équipe de France des moins de 20 ans, il y en avait 6 sur 20. C'est-à-dire plus que le PSG et l'OL réunis qui dominent le football féminin depuis longtemps. Donc c'est un investissement qui va payer dans les années qui viennent, mais qui prend forcément un peu de temps. Alors dans votre effectif, Pierre Ferrach, il y a un insulaire, un Corse. Thibaut Campanine, il a 23 ans, il a joué 5 matchs cette saison. Il a eu plusieurs blessures, notamment la saison dernière. Il se relance, Thibaut, on l'écoute. C'est vrai que l'année dernière, ça a été très compliqué. Je me suis refait mal à la cheville, ça a été la troisième fois. J'ai eu 6 mois convalescence, donc ça a été très long, mais là cette saison je me sens mieux, je reviens petit à petit, voilà, j'engrange un peu des minutes, ça fait du bien. Et le collectif, vous avez très très bien démarré cette saison, puis après ça s'est un petit peu tassé, comment vous expliquez ça vous ? Bon, c'est vrai qu'on a fait un très bon début de saison, pardon. Je pense que c'est les 5 matchs qu'on a eu en 13 jours qui nous ont fait du mal, mais faut se mettre au travail et essayer de prendre des points samedi. Est-ce que le Paris FC demeure un candidat sérieux pour la montée ? Oui, je pense. Je pense qu'il ne faut pas se cacher qu'on a, sur le papier, je pense qu'individuellement, on a une très très bonne équipe. Et même collectivement, et on l'a démontré en début de saison et même l'année dernière, on n'a pas forcément beaucoup changé d'équipe. Donc oui, je pense. Alors on connaît le caractère de votre entraîneur, Thierry Loret. On imagine qu'il n'y a aucun joueur qui lui est imposé. Mais Thibaut Campanine, vous l'avez voulu vous aussi ? Oui, j'ai un regard forcément un peu différent sur le Corse de l'effectif. Thibaut a eu beaucoup de soucis dans la dernière période. Il n'a quasiment pas joué l'an dernier. Il a eu une grave blessure. Donc il revient là petit à petit. Il a du talent, on le sait. Il a un tempérament, on le sait également. Donc j'espère qu'il va trouver sa place dans l'effectif et qu'il va oublier les petits malheurs qu'il a eus, les petits soucis qu'il a eus aussi sur un plan familial qui l'ont beaucoup perturbé dans la dernière période. Alors vous êtes désormais 8e, Pierre Ferrach. On découvre ce classement de Ligue 2, c'est un classement qui ne doit pas contenter Thierry Loret ni Thibaut Campanine, qui ne doit pas vous contenter non plus. Non, parce que je pense qu'on doit clairement, avec l'effectif et les moyens qu'on a mis en place, jouer une place dans les 5 premiers. Après, encore une fois, je crois qu'il y a 8 ou 9 équipes aujourd'hui qui peuvent espérer se retrouver dans le quintet de tête et la bataille sera difficile jusqu'au bout. Et les petits problèmes physiques qu'on a eus, qui sont très lourds en ce moment, avec des titulaires qui sont malheureusement éloignés des terrains pendant très longtemps, ne nous facilitent pas la tâche, mais il faut redresser la tête et continuer à construire le projet du club. Alors la dernière image de Ligue 2, il se trouve que c'est celle de l'ACA à Nîmes ce lundi soir. L'ACA qui a été l'emporté du côté des Costières, 2-0, but de Courtais, une belle tête décroisée, petit filet. Et Riyad Nouri y est allé de sa réalisation. Et l'ACA qui avait également connu, comme vous, une trajectoire contrariée avant la trêve, eh bien se relance complètement, désormais troisième. Pour vous, c'est un candidat sérieux à la montée ? Très sérieux. L'ACA a un effectif solide et en plus qui est dans la continuité, qui n'a pas beaucoup bougé, avec un entraîneur de qualité, Olivier Pantalogne. Donc je crois qu'ils seront dans la course du début à la fin et ils sont bien partis pour accrocher une des 5 premières places. Et vous, vous êtes toujours un candidat sérieux ? Aux 5 premières places, je pense qu'on a la possibilité de le faire. Maintenant, vous savez, moi je prépare déjà la saison prochaine parce qu'il ne faut pas tout miser sur une saison.
il faut être dans la continuité. Ce qui a pêché au Paris FC dans la dernière période, c'est que l'effectif n'était pas assez stable. Donc là, on construit un effectif sur les 2-3 ans qui viennent. Si on a la chance d'être dans la course cette année, on en profitera. Si ce n'est pas le cas, on préparera les saisons suivantes. Et il faut de la persévérance et de la continuité dans ce championnat difficile. Le SCB, lui, jouait samedi dernier à Fouriane. C'était la première de Régis Brouard. Devant 8000 spectateurs, mais sans un grand Vincenzi, il y aurait eu davantage de grabuges. Dans un 4-2-3-1, pour placer Christophe Vincent dans les meilleures positions, pour peser davantage offensivement, le SCB a beaucoup peiné dans ce premier acte. Et puis c'est un petit peu libéré, Salamonge remontant un petit peu à hauteur de Christophe Vincent. Mais au final, 0-0, un tout petit point, et ça place le SCB en position de barragiste. Sur le projet SCB, sur sa reconstruction, quel est votre point de vue ? C'est un beau projet. Je pense que le Sporting a aujourd'hui une direction de qualité. Je connais Claude Ferrandi et je pense qu'il sait comment mener cette barque-là. Il y a un très beau public, il y a une structure juridique un peu originale, et je pense que ça fait du bien dans le football français que de tester ce type de structure. Il faudra qu'elle fasse la preuve dans la durée qu'elle est solide. Mais je crois que le Sporting va s'installer durablement en Ligue 2 et puis va créer les conditions pour franchir lui aussi la dernière étape quand il aura consolidé cette place-là. Et je crois qu'il va aussi, comme la CA l'a fait d'ailleurs, peut-être que le Gazélec ne l'a pas fait suffisamment, investir dans le domaine de la formation, parce que les jeunes Corses attendent aussi, et pas seulement les jeunes Corses, mais en tout cas attendent aussi un investissement des clubs professionnels dans ce domaine-là. C'est le nerf de la guerre, économique et sportif, je le répète assez souvent. Le soutien populaire du SCB, ça vous fait envie ? C'est un atout, et oui, ça fait envie au Paris FC, parce que c'est un des problèmes qu'on doit régler dans les années à venir. On a un grand club à côté qui écrase tout depuis 40 ans, et à plus forte raison depuis que les Qataris ont mis des moyens illimités dans ce club-là, comme les Émirats à Manchester City, ce qui a déséquilibré d'ailleurs un petit peu le football européen et mondial. Mais donc nous, il faut qu'on gagne un public. Je pense que la montée en Ligue 1 créera les conditions pour que ce public soit là. À Paris, malheureusement, avec la présence du PSG, vous n'existez pas quand vous n'êtes pas en Ligue 1. En Ligue 2, on commence un peu à vous voir. En National, on ne vous voit pas plus le Red Star que le Paris FC. Donc c'est un long chemin là aussi, et il n'est pas forcément facile, mais on est en train de le suivre. Vous jouerez le SCB début décembre. C'est toujours un match particulier pour vous quand vous rencontrez un club corse ? Oh ben forcément, parce que même si je suis supporter d'abord du Gazélec, comme tous les Corses, je suis attentivement les péripéties du Sporting. J'étais à Eindhoven il y a 43 ans, ça ne nous rajeunit pas. Donc oui, c'est un moment particulier. C'est un moment particulier, mais on essaie de gagner le match d'un côté comme de l'autre, même si on est ravis de retrouver les dirigeants du Sporting comme les dirigeants de la CA. On ouvre à présent notre second chapitre. La dimension économique, structurelle, même si on l'a déjà un petit peu dessinée à travers nos échanges de votre club en particulier, du foot en général, voilà ce qui va nous occuper désormais. Vous êtes le deuxième club à Paris, vous le disiez à l'instant, face à un club État, comme aime à le dénommer Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Face à eux, vous avez donc ouvert votre capital à Barragne et à d'autres investisseurs étrangers. Vous êtes demeurer l'actionnaire principal, c'est une volonté, c'est une stratégie ? Je pense qu'aujourd'hui, très modestement, je suis le mieux placé pour conduire ce projet qui est très compliqué. Je ne serai peut-être pas actionnaire majoritaire ad vitam aeternam, mais aujourd'hui, je sens le besoin de l'être et de trouver à partir de là une structure de capital qui fait rentrer des ressources supplémentaires, mais de façon minoritaire. Le fonds souverain du Bahreïn hier, demain des investisseurs indiens, des investisseurs arméniens qui sont déjà investis dans le football ou dans le sport en général, et puis des entrepreneurs et des entreprises franciliennes qui vont me rejoindre pour donner une coloration plus régionale à ce club du Paris FC, qui en a aussi besoin. Bon, et puis le moment venu, on verra, peut-être qu'un jour je passerai la main. Aujourd'hui, je crois que je conduis ce projet depuis quelques années avec mon équipe de direction, de façon, je trouve, efficace et dynamique. Et pour l'instant, on conserve cette position majoritaire. À Paris, quand on préside le deuxième club de Paris, il faut aussi avoir un entregent politique, social. Il faut peser aussi sur ces terrains-là. Le foot est politique aussi. Oui, le foot est très politique, mais pas seulement à Paris, en Corse également. Oui. On le voit bien, il y a une dimension sociétale, sociale, politique du football. Je dis souvent que le football est le miroir un peu exacerbé de la société.
avec les plus belles choses, l'émulation, le dépassement de soi, et les pires. L'argent, le poids de l'argent, la corruption aussi. On a vu que ça a secoué la planète football il y a quelques années, et puis ça peut rebondir également. Donc il faut gérer le football en pensant en permanence à la société. C'est un ascenseur social pour beaucoup de gamins, en Corse comme en région francilienne. Donc oui, il faut avoir des relations dans ce domaine-là, avec la mairie de Paris, avec la région Île-de-France, avec l'État de temps en temps, parce que le football aujourd'hui est en crise et le Paris FC n'échappe pas à la gestion de la crise comme tous les clubs aujourd'hui avec la diminution drastique des droits de télévision. On va y venir aux droits télé. Le stade d'abord, c'est toujours au cœur de tout projet. Vous avez Charletti, alors il est très très beau Charletti, c'est un très très beau stade au niveau architectural, mais ce n'est pas un stade de foot. Ah, ce n'est pas un stade de foot, il n'a pas été conçu pour ça, c'est esthétiquement un beau stade, mais pas opérationnel. Et donc, si on a la chance, à un moment ou à un autre, d'être en Ligue 1, et je pense qu'on aura cette chance, il faudra rénover Charletti, en tenant compte de tous les aspects un peu compliqués de la rénovation de ce stade. J'imagine que vous avez déjà sollicité Anne Hidalgo. Ah, ben j'ai sollicité Anne Hidalgo, qui a dit il y a quelques mois, au moment où on a fêté le 50e anniversaire du club, qu'il fallait que le Paris FC soit chez lui, à Charletti, sous-entendu, est un stade de standing suffisant pour exister en Ligue 1. En Ligue 2, on bricole un peu, il faut bien le dire. En Ligue 1, on ne pourra pas se permettre de bricoler, les enjeux économiques sont trop lourds, donc il faudra rénover ce stade, et c'est le principal chantier des années à venir. Aujourd'hui, à Orly, on est bien. On a le centre de formation, on a les deux équipes premières, masculine et féminine, on a le siège du club, on a aujourd'hui un internat, une restauration collective pour les ados du centre de formation. Donc là, on est bien, on a ce qu'il faut. Il faut que le stade soit à la hauteur aussi de nos ambitions et de nos exigences. Alors, la défection de Mediapro, le scandale Mediapro, l'arrivée d'Amazon, cette crise des droits télé pose une nouvelle fois la question de la prépondérance de cette ressource. Le football français a deux handicaps. Il a des ressources qui pèsent trop lourd dans son budget, les ressources des droits de télé et celles du trading, de la cession des joueurs. Alors, la France est un pays formateur, donc elle bénéficie de ces ressources-là. Sauf que la crise du football européen fait qu'il y a aujourd'hui moins d'acheteurs. J'ai toujours du mal à parler d'achat quand il s'agit de jeunes joueurs, mais il y a en tout cas moins de transferts qui bénéficient au football français. Donc il faut développer les autres sources. Les sponsors, il y en a moins qu'en Angleterre et qu'en Allemagne. Le merchandising, ça marche moins aussi qu'ailleurs. Les ressources de billetterie, les ressources des matchs, quoi, la présence des spectateurs. De ce point de vue-là, en Ligue 2, Bastia est privilégié, et tant mieux pour le club, parce qu'il a un public fidèle et nombreux. Donc il y a toute une rénovation du football français, en évitant ce qu'on a connu dans la dernière période, de gérer des fiascos aussi retentissants que Mediapro, parce qu'on aurait pu faire l'économie de cette crise. Justement, le foot français, la Ligue 2 en particulier, est-ce que c'est une bulle qui peut exploser, selon vous? Ah, je pense qu'il peut y avoir en sortie de crise, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette crise-là, quelques défaillances aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Il y a des situations financières qui sont extrêmement tendues aujourd'hui, on le sait, et pour des clubs qui sont des clubs importants en Ligue 1 ou des clubs plus modestes en Ligue 2, la situation est compliquée. Le produit foot est un petit peu dévalorisé depuis cette crise des droits télé en France. La Ligue 2 aussi est de moins en moins visible. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour rendre ce produit plus attractif? Vous pensez qu'il faut aller toujours au plus offrant en termes de droits télé ou davantage d'exposition, peut-être sur le service public par exemple? On le sait, j'ai fait entendre une voix un peu différente de celle de mes collègues. Je pense qu'il fallait continuer avec les partenaires historiques du football et notamment Canal. Canal et beIN qui étaient liés. Bon, on a choisi de faire en permanence de la surenchère, de mettre Canal en difficulté. Canal n'a pas toujours aidé non plus, on est à une position rigide. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour Amazon, que ce soit la bonne solution pour le football français. Le football dans Amazon ne pèse pas grand-chose. Le football pour Canal et beIN était très important. Donc je crois que dans cette surenchère excessive qu'ont géré les dirigeants de la Ligue, jusqu'à l'arrivée de Vincent Labrune, on s'est pris les pieds dans le tapis et on a aujourd'hui une situation, encore une fois, très compliquée, qui pour moi est assez catastrophique, qui oblige les clubs à réduire drastiquement leur budget. Le nôtre a été diminué de 10% cette année et peut-être que ça continuera si les ressources ne repartent pas vers l'avant dans les 2-3 années qui viennent. Alors la question de la gouvernance, je voudrais l'aborder avec vous parce que vous êtes un spécialiste avec votre groupe Alpha quand même. 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 900 salariés consultants. La gouvernance du foot, elle vous interpelle, elle vous gêne et, vous pensez qu'il faudrait la réformer? Il faut la réformer en profondeur. Moi j'ai refusé
pour l'instant d'aller dans les instances parce que je pense qu'elles sont inadaptées à la gestion du football. Vous auriez le profil pourtant. Ah, il paraît. La gestion de mon club et la gestion de mon groupe m'occupent encore beaucoup. Et puis il faut laisser un peu de temps pour la Corse quand même, où je passe déjà pas mal de temps, mais insuffisamment. Je pense que par exemple le conseil d'administration est inadapté à la gestion du football aujourd'hui. Représenter toutes les familles, avoir quasiment la moitié des clubs de Ligue 1, plus 3 ou 4 clubs de Ligue 2, je veux dire, ce n'est pas adapté à une gestion opérationnelle et efficace du football. Il faut faire confiance à des gens qui ont la compétence, anciens du football ou nouveaux dans le football, et trouver surtout une stratégie plus opérationnelle que celle qui a été suivie ces dernières années. Vincent Labrune s'en occupe, moi je jugerai sur pièce et je ferai entendre ma voix chaque fois que nécessaire. Parce que la gestion catastrophique des droits de télé est l'illustration d'une gouvernance qui n'est pas la bonne aujourd'hui. On donne trop de pouvoir à certains, pas assez à d'autres, et la relation entre le football professionnel et le football amateur n'est pas la bonne aujourd'hui. Pierre Ferracci, le foot a toujours une place importante dans la société, sa dimension sociale. Est-ce que c'est finalement pas son principal actif ? Bien sûr, je pense que ça fait rêver les jeunes, et c'est aussi un débouché pour eux. Pas toujours en Ligue 1 ou en Ligue 2, on peut vivre du football sans être un footballeur professionnel, mais la dimension sociale est importante. Moi, je crois à un football des territoires. En région parisienne, comme en Corse, il faut que ce football soit enraciné dans les territoires. C'est pour ça que j'étais opposé à la Super Ligue européenne, parce qu'on va casser les championnats nationaux, les championnats allemands, les championnats anglais, les championnats français, italiens ou espagnols. Fort heureusement, les supporters ont réagi, les autorités politiques ont réagi. De ce point de vue-là, le président de la République française a eu la réaction qu'il fallait, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il faut défendre ce football des territoires, qui n'est pas incompatible avec la gestion d'une élite, avec une Ligue des champions, mais qui cadenasse pas tout, qui n'accapare pas demain tous les droits de télévision au détriment de la Ligue 1, de la Ligue 2, mais aussi du football amateur. Et ça, c'est un enjeu qui, à mon avis, devrait intéresser les politiques. Le football est aujourd'hui suffisamment important pour que les politiques s'en mêlent. Je crois que l'UEFA et la FIFA ont fait la démonstration ces dernières années qu'elles ne pouvaient pas avoir tous les pouvoirs, et des pouvoirs illimités avec des ressources illimitées. Je pense qu'il y a des enjeux qui doivent se traiter au niveau national pour les politiques, ou au niveau européen, ou au niveau mondial, mais ne pas laisser des structures de ce type, très importantes, aller au fil de l'eau comme ça, sans une gouvernance là aussi suffisamment adaptée. On dit, Pierre Ferracci, que vous avez toujours l'oreille du président Emmanuel Macron, qui regarde les choses du foot, qui est très amoureux des choses du foot, en particulier de l'OM. Comment le foot est regardé de là-haut ? Je crois que le président, je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur certains aspects de sa politique, on le sait, mais ça n'empêche pas des relations amicales, je ne mélange pas tout. Mais je crois qu'en tout cas sur le football, il a une vision qui est plutôt réaliste, qui justement défend à la fois ce football des territoires et un football d'élite. Et notamment avec une équipe de France championne du monde, on ne peut pas ignorer le football d'élite. Mais il est partisan des équilibres et l'expression qu'il a eue sur la Super Ligue européenne, avec Boris Johnson d'ailleurs, et un peu moins les dirigeants italiens et allemands, que j'aurais bien aimé entendre, c'était la bonne. C'est en gros la Super Ligue ne doit pas accaparer toutes les richesses, fermer cette Super Ligue, empêcher la compétition de jouer son rôle et donner la prime à l'argent, et toujours à plus d'argent, et toujours à ceux qui ont le plus d'argent. Regardez aujourd'hui, des clubs historiques comme le Real et le Barça sont endettés à hauteur chacun de 1,5 milliard d'euros, parce qu'ils ont essayé de suivre cette montée cette course à l'armement qui est devenue totalement stupide aujourd'hui. Alors, on revient sur la base. On voit ici des joueurs de votre centre de formation s'entraîner juste derrière nous. Votre centre d'entraînement, votre lieu de vie ici, finalement, aujourd'hui, c'est peut-être votre principal actif. La formation, le scouting, pour le foot corse aussi, c'est la seule voie possible, selon vous ? Ah, c'est la voie royale par excellence. Et c'est pour des clubs modestes qui n'auront jamais les moyens d'un État, même s'ils font appel à des capitaux étrangers, des capitaux français, des entreprises franciliennes, des capitaux indiens qui s'intéressent aussi à la France, c'est aussi le moyen d'avoir des ressources bon marché, parce qu'on travaille pour les avoir. On n'investit pas des sommes déraisonnables pour faire en sorte que des jeunes se retrouvent dans les équipes premières ou dans les équipes réserves d'ailleurs et permettent encore une fois de transformer le rêve en réalité. Donc oui, il faut investir dans la formation. Ici, on a investi 9 millions d'euros, dont 7,5 millions sur les fonds propres du club. On est très content. Alors ça retarde un petit peu les investissements dans l'équipe première,
mais c'est l'avenir pour le club. Une étude de l'Observatoire du Foot Business mesurait récemment l'impact au niveau des réseaux sociaux des clubs de Ligue 2 depuis le début de saison. Toulouse est en tête avec 1 million d'abonnés, tout réseau confondu. Le Sporting Club de Bastia est deuxième avec 642 000. Vous êtes classé septième avec 363 000 abonnés. Et la CA est dixième avec 293 000. Vous avez toujours un déficit d'image. Exister face au club État qu'est désormais le PSG, c'est toujours compliqué? C'est bien entendu plus compliqué qu'ailleurs. Je pense que même si le football corse a connu des difficultés, il est plus facile de faire vivre un club en Corse, même s'il y a des projets différents qui sont construits, qu'à Paris. À Paris, encore une fois, vous êtes écrasé partout. Oui, mais encore, ce tissu économique n'est pas, c'est vrai. Pas celui tout à de Paris. Non, mais je veux dire, en tout cas, en termes d'ambition sportive, à Paris, pour exister à côté du PSG, il faut se lever de bonne heure quand même. Et je suis conscient de la difficulté. Mais je suis persuadé qu'il y a un espace. Et il y a un espace, encore une fois, qui s'exprimera davantage en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Mais il y a un espace économique, mais aussi sportif et sociétal. Vous travaillez avec les territoires, et on l'a déjà envisagé dans cet entretien. La question du rapport à l'identité, à l'environnement, au territoire, l'ancrage de ces clubs, le Sporting, la CA, le FCBB, le GFCA, chez nous, c'est une vraie richesse. Dans ce football mondialisé, c'est toujours une vraie richesse. C'est toujours la richesse essentielle pour moi, malgré le football mondialisé, malgré le développement d'un football qui est très élitiste et qui mobilise beaucoup de moyens. Je pense que le football dépérira s'il ne continue pas à jouer cette implantation, cet ancrage dans les territoires, dans toutes les régions de France. Et vous regardez aujourd'hui, les derbies font encore recette, Bastia-Ajaccio, mais aussi Nancy-Metz ou Lens-Lille. Et en Allemagne, c'est pareil. Je veux dire, si on voulait demain, avec la Super League européenne, renouveler des matchs entre la Juventus ou l'Inter de Milan et Dortmund ou le Bayern, on s'apercevrait très vite que les spectateurs s'en lasseraient. Et le fait que les derbies soient au cœur des préoccupations des spectateurs et des supporters, ça montre bien que le football des territoires a encore un grand avenir devant lui. Il faut le protéger, il faut le défendre. Et puis on aurait pu aussi envisager la question des banques qui sont très frileuses à l'égard du milieu du football, y compris et surtout à l'égard des clubs corses. Mais le temps file déjà très vite. Alors on voudrait dire quand même un mot du GFCA. Votre club, le club de votre famille, famille qui était communiste et gazière, hein, si je ne m'abuse. Le GFCA qui l'a emporté samedi dernier à Fouriagne face à la SFA, 2-1, but de Choplin et Touré. Le GFCA qui se reconstruit sportivement. Là, l'aléa sportif peut peut-être remonter un petit peu la dimension financière. Oui, et puis j'espère qu'il trouvera, même si c'est difficile en Corse, comme on l'évoquait, les moyens financiers de rebondir. Il y a quelques années, j'ai failli me faire houspiller par les supporters parisiens parce que j'avais lâché un point au Gazélec sur un match où il avait fauté administrativement. On s'en souvient. Mais pas dans l'esprit. Ça n'avait pas suffi à le maintenir en Ligue 2, malheureusement. J'ai encore en tête le barrage contre Le Mans qui avait été dramatique pour lui. J'espère qu'il va rebondir. On l'a tous en tête. La place du Gazélec n'est pas en N3, c'est clair. Ouais. Il doit être plus haut. Mais lui aussi doit investir demain sur la formation des jeunes. Le club voisin de l'ACA, que je respecte aussi beaucoup, l'a fait depuis des années. Il en tire les fruits aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez l'aider, ce GFCA? Je ne sais pas, moi, vous pourriez fonder peut-être un club filial? J'essaye de l'aider en apportant mon appui. J'ai vu récemment le dirigeant de la section handball, qui est quelqu'un de très sympathique et de très déterminé, très engagé également. Et je lui ai donné quelques conseils et je vais l'aider peut-être à se rapprocher d'un partenaire qui nous aide également et qui peut aider la Corse et le football en Corse. D'accord. Dans vos relations, peut-être que vous allez aider le GFCA Omnisport en général. Le GFCA qui retrouvera Fouriagne en National 3, ce sera le sommet, Pierre Ferracci, de ce National 3 groupe Méditerranée. Ce sera le week-end prochain à Mezzaville, à samedi. Même si Cannes a de gros moyens dans cette 5e division. Corté ira à Nice, Luciane recevra le Canet et l'ACA, la réserve de l'ACA, à Marseille en Doum. Un mot aussi de Julien Romain. On ne voulait pas clore cette édition sans en parler. On a une tendresse particulière pour ce joueur. Il a joué au Sporting, au GFCA. Il joue désormais à la SFA. Il a été réopéré une deuxième fois des croisés. On lui souhaite de revenir, pas vite, mais bien. La SFA et le foot corse ont besoin de son enthousiasme, de son talent. Très vite, Pierre Ferracci. Toulouse à Charletti ce samedi 15h, ça peut être un tournant pour vous? C'est l'occasion de se relancer, c'est un gros match, Toulouse a des moyens très importants et un effectif de grande qualité.
Mais c'est un moyen de se relancer, donc j'espère qu'on ramènera quelque chose, un match nul ou une victoire, et en tout cas qu'on évitera la défaite. Merci de nous avoir exposé votre stratégie, vos idées sur le football. C'était un échange très intéressant. Merci de nous avoir accueillis ici. J'étais ravi de vous recevoir. Et sachez aussi, pour clore cette édition, que le SCB ira à Auxerre lundi prochain, la CA recevant Nancy. Nancy qui a enregistré sa première victoire le week-end dernier. Et le FCBB ira à Villefranche-en-Beaujolais, troisième du national. Le FCBB qui peine, qui pioche beaucoup dans ce championnat de national. Bonsoir à tous. Coup de sifflet final.